point bien déterminé, c'est sous l'argent qui baille une dame. Yon dame qui était un film porno qui ont prostitué éventuellement, mais elle était l'agent sa dame pour dame pas t'al mettre des affaires dehors, qu'on croit pour t'al parler et pour t'al dire j'en affaire avec elle, était qu'on les relations amoureuses avec elle. Dans l'élection 2016, je laisse ça que président est candidat. Mais il y a l'autre dossier toujours qui est des présidents Togon, l'autre dossier qui est devant Cour suprême, je dis à tout, le président lui-même dit que l'action qu'elle t'a posée, et pendant que le président pas t'a de considérer comme une sorte de comme un facteur parce que le président à l'époque là était fait dans le moment que il était candidat, il était président des États-Unis. Mais en fait et dame ça lui même non que il était bas l'agent ben il y a près de 14 chefs d'accusation qui a pesé sur lui pour c'est pas plus même sur question ci là. Donc c'est gros dossier ça qui devient puis il y a tout un congrès tout un autre dossier, ces dossiers et je dis à même une proposition de loi qui pourrait bail assistance pour Israël avec l'Ukraine, deux pays qui n'ont guère mais n'ont guère différent. Gain Israël qui n'ont guère avec un côté avec les militants Hamasio et un autre côté je dis à l'autre bail cap sioné ou bien quoi cap sorti. C'est possibilité on l'autre guerre avec Iran encore et on l'autre conflit entre Israël avec Iran encore. Parce que justement la misère elle dit lui-même la baille en réponse, la baille en réponse après attaque en santé et lancé contre et intérieur mais contre sous territoire et samedi passé, bien que 99% des missiles ou bien drones qui étaient sortis en Iran étaient détruits, soit peut-être à partir de Jordanie étaient détruits ou bien Israël tout est détruit et missiles ça. Donc c'est la question à elle. Donc je suis venu pour prononcer le tout et ce dossier ça. Et décision que je suis venu à bon leurs conséquences tout sur l'Ukraine même sur et avenir président Donald Trump dans l'élection présidentielle qui nous rappelle que c'est lui-même jusqu'à ce que nomination officielle et c'est lui-même qui censé remporter nomination parti républicain dans l'élection présidentielle en novembre 2024 yo, et qui va faire face avec adversaire lui dans la période du président et sortant dans la période de démocrate Joe Biden qui vient tout à représenter le parti démocrate. Donc c'est une répétition d'un duel dans l'élection présidentielle et 2020 passée. Dans notre programme de mini-actualité, à nous parler dans le pays d'Haïti, jusqu'à présent, on n'est pas au fin clair du tout, c'est tout le monde qui descend, c'est tout le monde qui a dit, c'est là, le gouvernement fait sauter notre politique, il n'a pas publié, il y a un deuxième journal, un deuxième et décret dans le moniteur, côté désiré, non, membre, et non, membre institution, membre, et n'a pas de conseil présidentiel et transition, hein. Mais il connaît que le publié un conseil de transition, mais il connaît ses formations, conseil là seulement que le publié, et pendant qu'il était posé des conditions, mais il y a un bail qui sortit, il y a un paquet de bail qui dans la rue, qui prend la rue carrément, et qui a parlé très certainement, qui dit que, comme quoi, et conseil de transition, hein, membre conseil de transition, il est là dehors, alors que, membre conseil là, il a rejeté et décret, que le gouvernement a publié sans nom. Vous comprenez ça, président Mdia? Membre conseil de transition qui fait partie, qui va faire partie du conseil là, 7 membres qui ont pouvoir de vote et 2 qui paguent, qui comme observateur qui paguent pouvoir de vote, et bien même ils ont rejeté et décret ça. Donc, si vous rejetez, ça a une besoin de problème qui pourrait être un problème légal. Enfin, si vous rejetez, ça veut dire qu'il faut avoir l'autre décret pour avoir une fête. Mais ça, c'est que le gouvernement, qu'on y a, il dit que la prend le temps, l'imande pour le temps pour le faire, bail pour le faire et publication selon les normes. Mais qu'on y a, qui j'en sais pas si qu'on y a là. Il y a une nouvelle qui dit que oui, il y a un décret qui était publié, mais le gouvernement officiellement, il sort une note, c'est le ministère de la Culture, communication avec la Culture, qui publie une note pour dire que lui-même, il n'est pas publié, l'ISA qui a parlé là. Donc, c'est un dossier qui est toujours à monter et descendre. Donc, en attendant, il y a l'institution ou bien agence qui est le conseil de transition, conseil et présidentiel de transition, oui, il existe, mais il est vide, il n'y a pas aucun membre là. Donc, ça veut dire que pour qu'il y ait une élection pour désirer membre conseil là, pour qu'il y ait l'autre étape que conseil présidentiel n'a pas franchi, l'elle finit prêter serment. Donc, jusqu'à présent, pour qu'il n'y ait ni prestation serment, ni vote pour désirer un coordonnateur ou un président, parce qu'il dit que tous les 7 mondes ont le même pouvoir.
Mais pas gagné. Pas gagné. On peut gagner une équipe pour bailler au pouvoir légitime ça. Que, en attendant que ça fait. Donc, le gouvernement pose des conditions. Il dit qu'il y a une condition pour mieux remplir et que pour lui-même, il faut que ça fait. Mais le son de ce qui est là, captain. Entre-temps, alors tout débat, ça va faire dans le moment que la communauté internationale, là, que ce soit la francophonie, que ce soit les Nations Unies, les États-Unis, la France, le Canada et même l'Union Europe, et bien, tout le pays, ça a même été battu bravo, là, contentement, le fait que. Et gouvernement intérimaire, ben gouvernement provisoire, qui s'en sape exécuter les affaires courantes, et bien lui-même, il a été publié, arrêté, ou il y a décret qui formait le conseil présidentiel. C'est la situation, donc pas rien qui bougeait. En attendant, le pays a pas avancé, il y a une nouvelle qui fait qu'on est que travail de construction, bien travail de destruction. Tika qui est construit de bon côté aéroport là, qui cause que l'aéroport a fermé. Depuis un bon bout de temps déjà, et bien, il dit que le travail, ça, il est presque fini fait. La destruction, ça, est presque fini fait, et que le monde qui est propriétaire, ou bien qui était propriétaire, qui était construit dans flanc et muraille, aéroport international, là, qui semblait que les gars mettaient qu'on utilisait, puis ils commettaient exaction et même tirer sur un appareil, et bien, il dit que le travail, ça, il est presque fini. Il est presque fini de détruire, ça, qu'on y a arrêté propriétaire, car il y a même qui doit qu'on y a aller dans la mairie Tabar, justement, côté où pour aller faire réclamation. Alors, pour faire réclamation, hein, selon toute nouvelle, eh bien, tout le monde doit porter pièce qui montre que c'est vous-même ou c'est propriétaire et que l'État fait et identifier propriétaire caillou ou t'es là et que c'est vous-même, vina pièce d'identité pour avoir bon l'argent qu'au besoin. Et puis, en parlant de, et l'argent pour concernant arriver ou bien encore pour chez force multinationale qui vient en Haïti, eh bien, bon, Pamela White, qui sont anciens ambassadrices américains en Haïti, qui étaient dans une station radio, eh bien, en Haïti, eh bien, lui-même, il déclarait que l'argent de 600 millions de dollars, ça, qu'il a parlé à, c'est un argent, et non rêve lié. Donc, c'est un argent qui est dans le nuage. L'argent, ça n'a pas existé, et que pas aucun pays qui décidait pour le pays, ça, même les États-Unis. Les États-Unis proposaient, c'est vrai, les États-Unis proposaient pour le bail 300 millions, 200 millions de dollars dans le premier temps qui t'a sorti le ministère de la Défense. Après, sa responsabilité annonce l'autre 100 millions de dollars. Ça a été mis à 300 millions. Mais l'autre 300 millions que t'a sorti. Pays Kenya qui s'est appris tête. Et force ça. Kenya a demandé, bon, faut le l'argent. Il va pas le prendre aucun arrêt pour aller. Il y a tout Salvador qui paraît à la dernière minute qui dit lui-même tout. Il y a habilité pour le travail. Admin opération en Haïti, et bien bon, il dit, mais à condition de faire l'argent, il faut jouer l'argent tout. Et bien, comme ça, il y a l'association militaire d'Haïti qui a même pris tête, il faut parler avec l'administration, il dit, bon, 600 millions de dollars, ça, il dit en principe, l'armée d'Haïti, que pour un certain temps que le gouvernement américain était mettant en bargo, soit fait des armes, etc., et bien, il dit que l'armée d'Haïti, si il y a 100 millions de dollars, mais l'armée d'Haïti a capable lui-même. Mettez moun, achetez armes et pour combattre les gamins. Bientôt, ancien colonel Imner Ebuto qui parle de ce question, il dit que c'est vrai que il y a un avantage que il pensait que responsabilité de profiter de situation ça parce que il t'a semblé que autorité américaine t'a d'accord pour lever, font lever, on lever les mains. T'a levé main pour t'a un petit gens bail et la médaille d'Haïti. Zam qui pas létal, zam qui pas katouye moun, par contre, qui, ça a dit exactement, mais zam ça, il t'a permettre que, parce que justement, et par rapport à support que police et que force armée d'Haïti était sur le bail police là récemment, qui t'a empêché que gang armée te prenne contrôle, et aéroport, et bien, il était quoi que si, bah, monsieur Zam, monsieur qui a fait nécessaire. L'autre mouvement qui vient d'actualité toujours, c'est que les gars ont tourné franchi l'autre étape. En plus de te mettre une station de péage sous national, mais je dis à eux, c'est l'emmène à eux de chercher à contrôler qu'on y a. Après, ils ont contrôlé un bateau qui a transporté du riz. Et récemment, et bien récemment tout, dernièrement là, ils prennent l'autre bateau encore. Et là-dedans, non seulement ils ne sont pas contents de prendre marchandises et qui étaient dans le bateau, mais tout, qu'ils prennent même équipage là tout, qu'ils ont avec Mounsa. Donc, ce sont l'autre initiative encore. Et garde-côte, la marine haïtienne, t'as semblé que, il dit qu'il n'y a pas gain et équipement assez ou bien bateau assez pour capable chasser M. Charles sur la mer. D'autant plus, M. utilise ça des flyboats, de chaloupes, flyboats qui courent rapide,
Donc, alors que bateau ça que la marine gagne, c'est des matelots qui prennent pile temps pour arriver dans un an, de seulement agir après à la fin passée. Et c'est comme ça, ils reprennent contrôle, bateau qui, un bateau qui était perdu, que monsieur était prend, mais il était prend contrôle bateau ça, mais il s'est besoin de nouvelles pas rapporter, comme quoi, yo joindre monde qui était pris en otage. Pour qu'on y a, d'après toutes les nouvelles, la marine haïtienne gagne ont quatre bateaux qui pas vraiment fonctionnels. Il y a gagné deux bateaux, il y a gagné un qui est au Cap-Haïtien, il y a un qui est dans le sud, il y a gagné deux dans mais il y a gagné deux qui est au Port-au-Prince, mais qui pas vraiment, qui fonctionnait, mais qui pas fonctionnait à plein rendement. Donc c'est une situation encore que les responsables ont demandé pour que il y ait des résultats si vous voulez des combats et à faire insécurité ça, qui jusqu'à présent continue à faire parler de lui, pays a toujours fermé et frontières avec les républiques voisines, la République dominicaine est toujours fermée. Mais autorité qu'on y a pris, est-ce que Carabri l'ouvre à l'aéroport? Seul aéroport qui l'ouvre qu'on y a, c'est Cap-Haïtien, qui ouvre à part, qui seulement fait vol à partir du Cap-Haïtien pour Miami. Et encore, il est très difficile pour le monde prendre un avion parce qu'il coûte en pile pour prendre un avion pour sortir. Soit Port-au-Prince, pas un avion, pas un avion pour Port-au-Prince, mais pour prendre une machine pour arriver au Cap et au Duque, pratiquement, son risque lié et tout le monde s'élève, le monde arrive, il connaît que l'arrivée. Et bon, c'est comme ça situation. Ah ben, je dis à tous Jacques Nankala, donc nous avons un bon programme pour aujourd'hui à nous préparer. Et très certainement, nous parlons de situation et vote que Congrès américain a pour le prendre et en faveur, en fait, que votons assistance économique pour l'Ukraine avec Israël, malgré les difficultés dans le Congrès, surtout avec les branches conservateurs, députés républicains dans le Congrès, qui ont même couché en quoi contre toute idée ça, et, mais quand même, je dis à, et proposition, mais documentaire de sortie, il y a 72 heures pour tout le monde analyser, et très probablement, à partir de ça, le Speaker of the House, là, M. Mike Johnson dit, mais dès vendredi, il y a des fonds de vote. Alors que même proposition, là, ça a déjà voté, déjà dans le Sénat. Le président Joe Biden a encouragé les parlementaires, républicains, aussi tous les députés, à adopter ou bien voter en faveur de la loi, ça que le Sénat, ou bien proposition là, que le Sénat a déjà voté déjà. Donc c'est comme ça la situation. Et puis, c'est question d'immigration, pas grand changé sous frontières jusqu'à présent. Et question pour TPS, pour Haïtiens, ou bien encore pour monde qui est TPS, Cap-Bout, en outre là. En rien pour qu'on décide jusqu'à présent qu'on ait des démarches qu'on a faites pour essayer de prolonger ou bien encore redésigner Haïti encore dans 10 et pour TPS là, mais jusqu'à présent, il n'y a pas qu'on fait, c'est seulement tant n'a pas tant et n'a pas vu, et mon qui est TPS, en bien, délai, c'est pour 3 ou 4 venir là. Et puis, si vous avez un permis qui expire, rappelons que vous devez renouveler le permis, remplir le papier à vous, et là, avec l'argent, vous et une fois qu'on fait ça, et bien, automatiquement, vous avez une extension qui a duré 18 mois, au lieu de 6 mois, contrairement avec ça, et le département de la sécurité l'a dit, je dis, il peut être pour 18 mois, mais vous avez toujours besoin de documents, vous avez toujours besoin de remplir, il faut pas l'argent, parce que vous avez besoin d'argent. Et puis, dernière nouvelle là, le président Joe Biden a rempli le taxier. Donc, il y a ce délai pour les Américains, il y avait tout le monde qui est aux États-Unis qui travaille, tant que vos camarades là, Jean-Marc Abela, il faut remplir les taxes pour payer tout le Sam Sordouya. Eh bien, le président est là jusqu'à 20, entre 20 à 20 ans. Qui a attaqué Israël samedi pour ouvrir dimanche, et Israël dit la paix, attention, vous y apparaître, Jean-Marc. Et donc, sacrifié qu'on y a, c'est que Israël dit l'a réagi et il redit que lui-même l'a réagi immédiatement depuis Israël attaqué Interel et il dit réponse l'a sévère, l'a étendue, ça veut dire l'agit et l'a douloureuse. Et après ça, nous avons conseil et présidentiel de transition qui est toujours dans l'impasse, qui est toujours dans la difficulté, nous voyons qu'il est là installé. Donc, on continue, et donc c'était de récapituler un petit peu pour permettre que le monde qui était là, retrouve nous, et puis l'autre monde vient et tout. Donc, bien content que nous, non seulement nous partager live là, live tout chaud ça, mais nous-mêmes tout, nous rester branchés, et peut-être que petit coupure, ça permet que nous prenions un petit boisson gazeuse, et puis bon, pour être juste ou capable, et au moins on verra de tout, c'est la meilleure des boissons, et puis pour nous recommencer. Donc, live là chaud,
Donc nous obligés de boire, nous obligés de boire liquide, nous obligés de boire de l'eau parce que la chaud. Donc la justice, on a rentré dans la justice ici aux États-Unis, mais avant de parler de la justice aux États-Unis, quand même parler de yon réalité, qui c'est yon modèle du genre, sans faire publicité pour la démocratie américaine, c'est que le président Joe Biden lui-même, lui fait connaître que eh bien, il va environ plus passer 20% de scope que nous recevons comme salaire en tant que président, il recevra environ 620 000 dollars. Et donc, il apprend environ 20 à 23%, et un petit peu plus. Et sous salaire, c'est pour dire qu'il est un citoyen comme tous les autres citoyens du pays. Parce que, ici, aux États-Unis, il y a deux bagages. C'est ou bien on mourit, ou bien on paye taxes. Tous les deux pas qu'à exister. Ou pas qu'à vivre sans pas payer taxes. Donc, ça veut dire que c'est en façon, et aux États-Unis, pour dire que les taxes, ça, c'est un bagage qui est obligatoire. Et non seulement l'obligatoire, c'est la loi, mais tout, c'est faire preuve de bon citoyen. Et le premier mandataire du pays, en parlant de président Joe Biden, lui-même, lui paye les taxes. En parlant de président, il y a un ancien président qui est en grande difficulté. Depuis quelque temps déjà, il y a quatre procès qui a fait compter. On a parlé de ancien président républicain, Donald Trump. Il est dans le tribunal, je dis encore, lui dans le tribunal. Il y a un tribunal là, premièrement, on nous dit pour qui ça d'abord. C'est le fait que en 2016, pendant la campagne électorale là, pour le devenir président, eh bien, il était acheté silence. Yon et ancien vedette porno, en parler Stormy Daniels. C'est pas bon nom, mais c'est bon nom d'artiste. Stormy Daniels. Les mêmes étaient achetés silencieux pour ne pas dire que t'es non affaires amoureuses avec l'ancien président Donald Trump. Hier, l'ancien président était paraît en tribunal, il paraît aujourd'hui encore, il dit que le procès, ça, c'est un procès contre l'Amérique. Elle dit l'Amérique, elle avait dit c'est un procès contre les États-Unis parce que disait bon, bah, qu'il est joué jambes rivées, son bagage tête chargée et tout pour l'histoire. C'est la première fois qu'un ancien président a jugé pour un crime. Donc, c'est pour une fois que justice pénale a jugé un ancien président. C'est ça qui fait que les tournées ont un événement historique ici aux États-Unis. Donc, qui ça a fait depuis hier? C'est qu'il y a formé jury. Il y a choisi des jurés pour venir participer dans le jury. Pour, c'est eux qui pourraient décider est-ce que le président est coupable ou non coupable. S'il est coupable, il est capable d'aller dans la prison. Donc, c'est comme ça que ça y est. Et l'ancien président apparaît dans le tribunal de New York. Je dis à lui, apparaît encore. Donc, le processus-là a continué. Fon dit tout que M. Donald Trump t'a demandé pour changer de juridiction, pour retirer jugement, pour ne pas faire encore dans New York. Parce que il a choisi mon salon dans la ville Manhattan. Et Manhattan, c'est fief des démocrates. Donc, où imaginez-vous? Ou imaginons que yon prend 12, parce qu'il y a 12 membres jury avec 6 suppléants. Donc si on prend yon, tout le monde a yon démocrate, c'est sûr que eh ben, nous comptons qui ça ne va pas le passer. Donc c'est ça qui fait que le juge là, système là, obligé de passer tout le monde a yon pas fait. Ça veut dire que chaque monde faut poser plusieurs questions pour yon, est-ce qu'on a une capacité pour capable faire un jugement équitable dans le cas ancien président Donald Trump. Donc, New York, tête en bas, nous sommes sous place. Nous sommes sous place et Valério Saint-Louis, collaborateur de Valério Saint-Louis, lui-même, capsule de très près pour nous. Il y a le débat de nos reportages sous premier journée, je vous dis, ah, c'est deuxième journée. Hein? Donc, Valério Saint-Louis encore sous place. Donc, c'est pour nous capables, nous-mêmes, pour nous capables, tant et après-midi, un rendez-vous, info pour nous capables de gagner mise à jour, information. En image sous question ça. Et faut dire tout pendant que l'on a parlé de Donald Trump, pendant que l'on a parlé de justice, eh bien, il y a plus haute instance dans le système judiciaire américain. On parle de Cour suprême qui aujourd'hui a saisi de deux affaires qui sont capables d'affecter poursuite pénale contre le président Donald Trump pour effort que l'on a fait pour renverser la décision en deux et résultat élection qui était faite en 2020. Donc, gagner attaque qui était faite sous Congrès
dans le mois de janvier, 6 janvier 2021, côté yon full moon, te entré avec fracas, entré dans le congrès, laissa vice-président Tela Mike Pence et le Speaker of the House et Pelosi, Tela, et puis donc c'est Chamon, pratiquement, yon même qui t'a confirmé la victoire de président Joe Biden qui est actuellement au pouvoir. Donc c'était tête chargée, tête en bas, nous connaissons que le Congrès a tout pris la voix de l'Amérique. Et c'est dans quelle une heure d'environ que moi-même personnellement, j'ai fait un live que j'ai fait sous mon là. Et puis une heure après, j'ai fait tout déblosé. Donc, j'ai eu un coup suprême qui prend une partie, ça, une affaire ça, qui est capable d'affecter l'ancien président Donald Trump. Il a dit, d'après Nouvelle York, il y a des centaines d'accusations qui liées à la question 6 janvier. Donc, en gros, c'est l'actualité ici aux États-Unis. Et puis, on nous retourne encore dans la situation dans la région Moyen-Orient. Et pendant nous aux États-Unis, en allant au Congrès, nous retournons au Congrès, il y a un vote qui a parlé pour nous. Nous connaissons Mike Johnson, c'est le. Et c'est le Speaker of the House. Nous toujours aimons expliquer ça. Le Speaker of the House, c'est un équivalent de président Assemblée générale, Assemblée nationale là en Haïti. Mais il y aurait le président Chambre députée. Aux États-Unis, président Chambre députée, c'est lui qui joue le rôle de Speaker of the House. Ça veut dire que c'est lui qui en tête de chambre réunie et Chambre députée avec Sénat. Mais lui-même, il dit que il a parlé pour prendre un vote pour les États-Unis pour des assistance by Taïwan, Ukraine avec Israël. Mais dans pile causé, dans pile viré tourné dans le bazar, hier, Mike Johnson a lui-même parlé avec l'équipe républicaine sur la question pour assurer, par exemple, pour acheminer un dossier, un document sous question assistance. Mais à chaque fois qu'il y a question assistance pour Taïwan, pour Israël avec Ukraine, bon l'autre question qui est toujours venue. Et les républicains ont remis Vinavel, c'est question frontière États-Unis partagée avec Mexique, qui est toujours dans l'actualité. C'est question immigration. Et c'est sûr que question ça tout, là, dans le programme campagne électorale pour l'élection présidentielle 5 novembre 2024. Donc, et c'est un gros rendez-vous. Après-midi, à d'après information qui vient de nous, qui vient de entrer dans la salle des nouvelles, nous, eh ben, après-midi, ou bien à ce rapito, eh ben, Mike Johnson, le Speaker of the House, président de la Chambre des députés, qui a gagné pour lui et fourni un document. Et document ça a un rapport avec Air Assistance pour Ukraine, pour Israël et pour Taïwan. Donc, c'est une situation que nous avons suivi de très près pour nous. L'autre point d'actualité, nous allons aller dans la question. Moyen-Orient a retourné dans la région Moyen-Orient, le bureau des droits de l'homme, l'ONU, qui dit que Israël imposait restrictions illégales pour aide humanitaire entrée et distribuée dans Gaza. Et Israël lui-même, pour balancer nouvelle-là, Israël dit comme ça que, eh bien, quand il aide ça, qui détournait des fois qu'à rejoindre M. Hamas. Donc, c'est ça qui expliquait les restrictions. Alors que, dans le dernier dialogue que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a eu avec le président américain Joe Biden, eh bien, c'était Yonan Poyo, c'est quitter plus assistance à joindre Gaza, c'est joindre Yon cessez-le-feu. Donc, 6 mois depuis le combat, ça fait, nous avons écrit, c'était 7 octobre 2023. Que M. Hamas a attaqué Israël, il y a environ 1200 personnes qui ont mouru, et puis depuis ça, Israël a matraqué Gaza, et dans la situation que Gaza est journée et jodia. Et Mounsayo, dans Gaza, qui n'a pas qu'à joindre aide parce que Israël mettait une restriction illégale, d'après ça, l'ONU dit, et bien Mounsayo, yo aux abois. Et qu'on y a, yo allé tout près frontière dans la région Rafah, qui tout près l'Égypte, sous frontière égyptienne, dans Rafah. Et Rafah, c'est lui qui a un problème qui gagne aujourd'hui, c'est ça, en français, une pomme de discorde. C'est un bagage qui divise
les puissances occidentales avec Israël. Là, il dit les puissances occidentales, notamment Washington, qui dit que Israël ne doit pas attaquer Rafah. Et Israël, dans voie pour le ministre Benjamin Netanyahu, dit comme ça que c'est la dernière étape qu'il a gagné pour ratiboiser et pour déchouquer la question et Hamas là, qui sont pour eux son groupe terroriste que lui. Donc, en plus, je fixé sous Rafah. Nous songeons que et dernièrement là, il y a Ismaël Haniyeh qui est leader suprême. Et Abbas, il y a trois petits garçons, trois petits garçons, avec quatre petits petits qui mourent dans l'attaque de l'armée Israël, mais nous sommes toujours là dans la négociation. Gagné, pendant ce temps, il y a un cabinet de guerre Israël là, qui réunit, jeudi, les réunis pour être capable de voir qui réponse que l'Iran après l'attaque qui était faite samedi qui se passait là, attaque qui fait avec drones et missiles de croisière. Donc, il y a regardé pour voir qui ça, qui réponse que l'Iran va faire. Mais d'accord, nous disons déjà que l'Iran dit que la réponse a une réponse sévère, étendue et douloureuse si Israël lui-même t'a attaqué intérieur. Et mon cap analyse, on dit qu'il y a plusieurs façons que Israël est capable d'attaquer. Il est capable de faire une attaque frontale, ça où il est, on attaque face à face, il attaque l'Iran directement. Il est capable d'attaquer plus Hezbollah parce que Hezbollah c'est un groupe pro-iranien, donc on paquet et causé qui n'a pas ça. Donc c'est un bagage que n'a pas su pour. Pendant ce temps, États-Unis lui-même dit que eh ben, la prend nouveau sanction, la prend l'autre sanction contre l'Iran. Il l'a mis avec l'autre allié pour prendre une sanction contre l'Iran. C'est Janet Yellen, qui est secrétaire de trésor ici aux États-Unis. Ça, il est dans le pays d'Haïti, ministre des Finances, qui lui-même fait annoncer contre l'Iran. Donc, pendant ce temps, il y a Jordan lui-même qui lui-même qui n'a mis tant de belligérants à eux. Il dit que le pays, il va avec le pays. Eh bien, vient dans le temps tout beaucoup ça. Donc, tout le monde a une inquiétude, que ce soit les puissances occidentales, que ce soit les pays voisins autour, les Qatar, les Jordanie et autres, il y a même tout le matériel qui a une escalade de violence parce que l'escalade est faite comme ça. On va connaître ici la croisée, ici l'autre bord, on va connaître côté où capable de tomber et qui côté où capable de faire dommage. Donc, c'est en gros situation comme ça à travers le monde. C'est grand point, il y a l'autre encore, et c'est sûr que Jean-Robert Philippe a venu avec l'autre. Mais qu'on y a l'autre petit tripotage. Tripotage, là, c'est sport. C'est avec que n'a pas fini. Et nouvelle touche. Et bien, nous, on est aujourd'hui à 16 avril 2024. Il y a deux gros matchs qui vont jouer. Deux gros matchs qui vont jouer. Il y a Barça, Barcelone, qui a accueilli Paris Saint-Germain dans la demi-finale. Et quart de finale, retour Ligue Champion. Ligue Champion, c'est plus gros et championnat en termes de club dans le monde. Donc, FC Barcelone a pas accueilli Paris Saint-Germain. Dans le match aller à Barcelone, t'es calé Paris Saint-Germain 3-2. Est-ce que Mbappé a moyen pour le capable de bail PSG qualification? Eh bien, nous pas besoin de faire trop pour le site, plus tard, ça. Et puis, il y a l'autre match qui va jouer. Il y a Borussia qui va jouer contre Borussia Dortmund. Un club allemand qui va jouer contre Atlético Madrid qui est un club espagnol. Nous avons deux premiers quarts de finale, deux premiers quarts de finale autour de eh ben, nous gagnons deux clubs espagnols. Nous gagnons Barça et puis nous gagnons Atlético Madrid. Donc, à bien tout, demain, à bien l'autre match. Quoi, c'est Bayern de Munich a joué contre Arsenal, Manchester a joué contre Real Madrid. D'après après que Real Madrid a fait match nul 3-3 avec Manchester et puis. Et match de tout entre Arsenal avec Bayern de Munich, match ça c'est pour demain. Donc ça veut dire nous avons pile causé en perspective que ce soit nouvelle au niveau politique, au niveau juridique, mais au niveau sportif, nous avons beau boule caboulé, fanatique boulio nous gâté. Pas parler de Messi qui est éliminé dans la compétition parce que nous avons un petit zinsaïo en pile. Et bien, Messi éliminé. Et ça tout nous fait plaisir, les points. Discussion qui gagne entre Robertson Alphonse avec Frédéric Duval, avec Sayo, Daniel Sena. Il est comme fait discussion sur la question football. Nous, on est haïtiens depuis que le football, nous n'avons pas la Frédéric Duval. On l'a dit, moi, que parti, vous n'avez plus